Paul. Bonjour Mary. Ah, ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Ah, mon garçon. Ça va. Allez, donne-moi ça. Non, non, laisse, laisse, elle est lourde. Garde tes forces pour toi. Bon, j'ai fait du thé. Je te sers une tasse. Ben, tu peux me dire où est papa? Viens, je vais lui dire bonjour. Il est en train de faire la sieste. Ah. Bon, j'ai prévenu que tu serais là à son réveil. Bon alors, ta retraite? Je pense une croisière. Mmh. Ou un tour du monde. Oh, il va me manquer. Mmh. En tout cas, je te remercie. C'est très courageux à toi d'être venu. Ça va pas durer longtemps, tu verras. Je pense qu'on va finir par trouver quelqu'un pour me remplacer. Alors, regarde. Tout ça, ce sont tes ordonnances. Ouais. De toute façon, je t'ai tout noté ici. Ok. Donc, ici, tu as les médicaments à prendre à heure fixe. C'est important, Paul. Ouais. Il faut que tu adoptes une routine. Ok, ouais. Parce que si jamais il est perturbé dans ses habitudes, il panique. Et s'il panique, il y a un risque de crise. Ça va? Richard, vous avez de la visite aujourd'hui. Votre fils, Paul. Bon, moi je dois y aller. Je reviendrai comme je vous l'ai promis. Je vous laisse avec Paul. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon courage. Salut papa. C'est moi, c'est Paul. Vous êtes le nouvel infirmier. C'est l'heure de mes cachets. Non, 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 c'est pas l'heure des cachets. Je vais déposer ma valise. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Ils m'ont proposé d'aller dans une autre ville au Canada. Changer de service. Une sorte de promotion, tu vois. Bon, enfin bref, j'ai refusé. Je voulais rester avec ma copine. On vit ensemble maintenant. Elle s'appelle Maya. Ouais, elle te plairait. Elle voyage beaucoup, comme toi. Elle est avocate. Et maintenant que la case appart est cochée, elle commence à me parler mariage. Et même enfant. Vous êtes l'infirmier? Je dois préparer un dessert pour maman. Elle vous a dit à quelle heure elle rentrait? Je vais aller voir si sa voiture est là. Non, papa. Papa. Papa, je crois que ta mère, elle viendra pas ce soir. Mais lâchez-moi!
tout est taché. C'est bon. Vous savez, j'ai fait un reportage sur les meilleurs glaciers de France. J'en avais tellement mangé pendant une semaine que j'étais tombé malade. Après ça, impossible d'en manger une pendant des mois. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Papa, il est tard, on va retourner se coucher maintenant, d'accord? Et ne me touchez pas, je vous connais pas. Allez où, Mireille? J'ai un rendez-vous important, il faut que je sorte. Laissez-moi sortir. Papa, laissez-moi sortir. Papa, calme-toi. C'est tombé. C'est rien, papa. Tu sais où est la serpillière? C'est pas grave, je vais trouver. C'est nous, papa. Il y a longtemps. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce que tu fais ? Hey, coucou, c'est moi. Allez, viens. On rentre à la maison. Tu m'as fait peur.